Voilà, et monte. À gauche. Voilà, c'est bon. Et un jour, on a ressorti le manuscrit de En Magernais est ressorti. Et donc, moi, j'ai pu lire ce que c'était vraiment que ce En Magellanie. Mais tout de suite, je me suis dit, je veux faire ça. Ah, c'est formidable. Ça, c'est il y a 4 heures de supplément, 4 heures et demie de supplément. Il y a un disque de 3 heures et un petit peu de supplément sur chacun des deux autres disques. Il faut une souplesse, il faut une... C'est très bien, moi, je trouve. C'est les interviews des comédiens, des techniciens, de tous les techniciens. C'est des moments de tournage, c'est des moments de ce qu'on appelle le brouillon, c'est-à-dire des moments où moi, je faisais avec une caméra comme celle-ci, d'ailleurs, comme le Canon. Et donc, c'est comme on dit en anglais maintenant, le making-of. Ces suppléments ont été faits par Anne Lacombe, qui est quelqu'un qui a suivi tout le tournage du film et qui a suivi les répétitions du spectacle et qui a suivi les répétitions du spectacle d'avant des éphémères. Et donc, qui connaît très, très bien la compagnie. Elle a été aidée par deux comédiens, Duccio, celui qui joue Tommaso, et Serge, celui qui joue Louis et le héros principal, Jean Salvatore. Donc c'est vraiment fait par des gens qui connaissent parfaitement notre travail et donc ils ont, voilà, c'est très bien.